Bonjour tout le monde, ici Fireman Modding. Alors avant de commencer cette vidéo, si vous aimez la vidéo, pensez à vous abonner, à la liker, à la partager autour de vous. Et surtout, laissez-nous un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos qui sortent, vous avez le lien du Discord dans la description de la vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons être en police nationale et on va être équipé du Peugeot Expert Banalisé. C'est un véhicule non ELS de Alkis, de la team Global Mode. Alors je vais faire spawn deux collègues. Allez, du coup on va pouvoir commencer. Je vais vous faire la présentation vite fait du véhicule. Alors c'est un véhicule, comme j'ai dit, non ELS, avec des extras qui permettent d'enlever le... Je sais pas si on voit très bien avec le petit carré. D'enlever le gyrophare de l'extérieur. Là, c'est les petits feux de pénétration qui sont sur le tableau de bord. Là, c'est le pare-soleil qu'on peut rabattre et remettre. Et là, c'est le gyrophare qui est à l'intérieur. Donc du coup, moi, je vais laisser que le gyrophare extérieur et le bandeau pare-soleil. Allez, je vais dire à mes petits collègues de rentrer. TV 130 de TN 67, on nous signale une personne dénudée dans votre zone. Allez, hop, non, ça c'est bon. Moi je vais pas prendre cette intervention parce que une personne dénudée, c'est pas trop de notre ressort. Allez. On va attendre d'autres interventions un peu plus croustillantes. Alors aujourd'hui, j'ai mis comme call-out intervention 5, intervention 5, je sais pas comment ça se prononce. United call-out et terroriste call-out. Alors ça risque d'envoyer aujourd'hui. Et bien, on voit que le monsieur. On va l'arrêter. Ouais, il s'est garé là. Hop, on va sortir. Mais non. Ah. Ah, remontez les mecs. Allez, remontez. Hop, j'ai rien compris. Allez. J'ai bien signifié que c'était lui que je voulais arrêter. Et si. Allez, s'il pouvait se garer, ça serait nickel. Voilà. Bon, il va pas nous faire un refus d'intempérer quand même. Allez, on va aller se porter à sa hauteur. Et lui demander comment ça se fait qu'il grille les feux rouges. Alors monsieur, veuillez couper le moteur du véhicule, me donner les papiers. Alors je voudrais la carte grise, permis de conduire et assurance. Alors, tout est bon. Alors, je vais lui demander comment ça se fait qu'il a grillé le feu rouge. Alors, est-ce qu'il y a le feu rouge? Ah, voilà. Pourquoi avez-vous franchi le feu rouge? Désolé, je suis pressé, je dois faire pipi. Ouais, mais bon, c'est pas une raison. Alors, du coup, je vais lui faire un petit test d'alcoolémie et un test de drogue. Alors il a rien. On va lui faire le test de drogue aussi. Bon, normalement en tant que chauffeur routier il devrait pas être il devrait rien avoir. Donc c'est négatif. Du coup je vais juste lui mettre l'amende pour le franchissement de feu rouge. Hop. Ah, le monsieur est recherché pour une possession de kétamine. Donc je vais quand même lui mettre l'amende. Alors stop. Grille un feu rouge. Voilà.
Hop. Du coup. Hop. Bon, il a 74 euros d'amende. Allez. Par contre, monsieur, il y a un petit souci avec vous. Je vais vous demander de sortir du véhicule. Allez. Par contre, je vais vous arrêter, monsieur. Apparemment, vous avez un mandat de recherche sur vous pour possession de kétamine. Alors, du coup, par contre. Voilà. Du coup, on va aller le conduire au poste. Bon, son camion est garé, donc il gêne pas la circulation. Il pourra rester là. Ah, est-ce que ça va marcher? Ouais. Nickel. Bon, le monsieur. Hop. Merci. Bon, ça s'est pas bien fermé. Bon, j'ai demandé à mes collègues de rentrer. Du coup, moi, je vais fermer la porte comme il faut. Nickel. Allez, on va le conduire au poste de police. Il sera vu par un officier de police judiciaire. Et comme ça, on pourra reprendre notre patrouille. Allez. C'est bon pour nous. Allez. Un collègue va venir le chercher. Voilà. Nickel. Allez, c'est bon, on repart. Hop, je coupe mes gyros. Nickel pour nous. Allez, il est midi. J'ai une première arrestation. On n'était pas parti pour ça à la base. C'était juste un feu qui était grillé. Et vous voyez, le monsieur était recherché. Allez, on va partir vers le centre-ville. Alors, est-ce qu'il y a des interventions qui vont tomber? Alors, je vois que il y a un truc de recherche qui a été mis. Ça, c'est embêtant, c'est le truc de LSPD FR de base, mais c'est des interventions qui sont pas, à part c'est que des courses poursuites, c'est pas très intéressant. Monsieur était pressé aujourd'hui. Alors on va attendre un peu. Bon, il n'y a plus de circulation. Hop, je passe. Sinon on va attendre 2 heures. Allez, on va aller un peu circuler vers les quartiers un peu sensibles. Ça serait bien qu'il y ait une petite attaque qui tombe là. C'est calme. Alors, ouais. Il a pas l'air très très pressé de passer. Alors, allez, on va partir par là-bas. Apparemment,
Allez, il y a un vol en cours. On a 48 secondes pour y aller. C'est pas très très loin. On est à 900 mètres, 800 mètres maintenant. On va éviter de mettre le deux tons pour ne pas les alerter. On va faire quand même attention à la circulation. Ça va être d'avoir un accident avant d'arriver sur l'intervention. C'est un magasin qui se fait régulièrement voler. Donc c'est pour ça qu'ils ont une sécurité un peu plus renforcée. Voilà les individus. Alors, j'ai pas le taser, d'habitude. Allez, on va essayer d'arrêter le monsieur. Voilà. On arrête le suspect avec l'argent, c'est le plus important. Comme ça, on peut le restituer au monsieur. L'autre a volé une voiture. Mais bon, on a arrêté le plus important. On va le fouiller. Mes collègues sont là pour me sécuriser. Pas, au cas où il y a des attroupements. Il y a à part un bang avec des résidus. Un sandwich, un sac de sandwich avec plein de pilules. Ok. Bon. Du coup, je vais demander un véhicule pour le transporter, le monsieur. Voilà, après je vais aller voir le commerçant pour lui signifier qu'on a réussi à arrêter le voleur et qu'il retrouvera son argent dans quelques temps quand le sac va être mis sous scellé. C'est une preuve. Mais son sac lui sera rendu à la fin de l'enquête. Ah, c'est là, moi. Ah, allez. On a arrêté ce monsieur-là. Il était en train de voler le magasin qui est un peu plus loin. Donc nous, on va aller voir le gérant du magasin pour lui signifier que ben, on a arrêté le suspect, qu'on a fait notre travail. Alors monsieur, on a arrêté les suspects, c'est bon, vous inquiétez pas. Vous passerez au commissariat pour nous porter plainte, bien sûr. Et après, l'argent sera restitué. Allez, du coup nous, on repart en patrouille. Allez. C'est bon pour nous. Voilà, collègue. Attends, feu. Nous, on va continuer à patrouiller. On va aller là, par là. Des fois, c'est des. Vous voyez. Monsieur, roulez trop vite. Il nous fait un délit de fuite. Non. Je vais faire vite fait. Non, c'est pas ça. Ça. Je vais faire un demande au dispatch. Une identité sur le véhicule, voir s'il a laissé un véhicule volé. Allez, je vais demander un blocage de route. Je vais profiter que s'ils ne me le mettent pas au bon endroit. Je vais profiter que les routes soient assez étroites. En plus, il y a le train qui arrive. On va faire attention. Il va griller le feu. Non. Il y
Est-ce qu'ils vont enlever le blocage de route? Hop. Allez, m'enlever le blocage de route. Nickel. Allez, faut lui faire prendre le pont. Qu'est-ce qu'il fait? Merci. Heureusement, il roule pas très vite. Moi, je vais demander des herses. Bon, allez. Ouais, ils mettent pas au bon endroit. C'est pas du bon côté. Ça n'a pas marché. On va y arriver. Voilà. Normalement, il va passer dans les sticks. Voilà, il s'est fait sticker. Nickel. Allez, plus un geste, plus un geste. Voilà, mes collègues l'arrêtent. Voilà, le monsieur. Hop. Du coup, nous, pour faire court, hop, je vais appeler une dépanneuse, vite fait, pour le véhicule. Comme ça, on gêne moins la circulation. Je vais demander que mon collègue lui fasse non. Hop. Je demande au dispatch une vérification d'identité. Alors, hop. Je demande au collègue qui est derrière nous s'il peut le prendre, du coup. Comme ça, on libère la place. Bon, ça va pas le prendre. Un vélo sur l'autoroute, ben, c'est la brigade autoroutière qui a le CRS autoroutier qui va le faire. Hop, monsieur. Nous, c'est bon pour nous. Allez, on retourne vers le centre-ville. C'est nickel. Allez. On retourne d'où on vient. D'où l'on vient. Allez. Il doit y avoir le train qui passe juste en dessous. Alors, il n'y a pas de gros center qui tombe là. On va demander. Alors, pourquoi j'ai pas. Ah, toujours c'est. Non. Voilà. Ah mais c'est pas vrai, mais c'est à chaque fois de. J'ai un truc rouge qui s'y fout là. C'est énervant, ces interventions là qui tombent là, pour rien en plus. C'est pénible. Voilà. TV
des 130, le TN67, vous allez vous transporter dans un bar pour une règle entre deux personnes. Oula. Ah ouais, non, mais ouais, là, c'est un peu... Grand Seigneur, d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe à la localisation, ça fait un peu loin pour... C'est pas notre circonscription en plus. 10-4. Pas d'intervention de TB-130, reprise de vacation. Hop, on va en demander une autre, hein, du coup. Voilà. Allez. On nous appelle pour quelqu'un qui sera habillé en clown et qui sera armé. Allez, on se dépêche parce que ça peut être quelqu'un qui tire sur la foule. Hop, désolé. Non, c'est à côté. Alors, le monsieur, il est où? Non, ah, il est en dessous. Ok. Essayez de... Voilà, pas accrocher le... Alors, le monsieur, il est où? Il faut faire attention qu'il ne tire pas dessus. Ça peut être un guet-apens. Est-ce qu'on le voit? Bon, pour l'instant, je vois pas de clown. Ah, il est là-bas. Alors, est-ce qu'on peut passer là? C'est un peu profond, je trouve, avec le véhicule. Alors, je sais pas si un peu plus loin c'est un peu moins profond. Bon, nickel. Alors, il se dirige vers des gens. On va essayer de l'intercepter avant. Ah, il nous tire dessus. Merci. Ah, on va se mettre à couvert. Allez, on sort. Nickel. Mes collègues ont réussi à le toucher. On l'a eu. S'il nous tirait dessus, on va appeler les coroners. J'en profitais pour faire une recherche de papier sur son corps. TB-130, le TN-67, des réfugiés se sont plaints de coups de feu à l'arme lourde dans votre zone. Pas de description physique de l'individu. Ah ben vous voyez, on n'a même pas le temps de... Ils se sont tous donné le mot, hein, aujourd'hui. Du coup... Les corps... Bah, ils se sont mis sur le dessus. Du coup, nous, on va se porter vite fait sur notre intervention. Allez, on n'a pas le temps de chômer. Alors, par où on peut monter par là? Je vois qu'il y a une ouverture là-haut. Tiens, je vais essayer de repasser par là où je suis passé. Allez, on va essayer de passer par là. C'était pas très profond. Voilà, on repasse par là. Allez. On va y aller. Nickel. Allez, déjà 20h. Les esprits s'échauffent. Peut-être des règlements de compte entre délinquants. Allez, on va prendre à droite. Ah, oui, c'était la bonne, ouais. Hop, attention à la voiture. Ah, il me demande de faire demi-tour sur l'autoroute. Pas très conseillé. Bon, il n'y a pas beaucoup de circulation, donc ça, on peut se permettre. Allez. Apparemment, ça se passerait sur un pont. Alors, on entend les coups de feu. Alors, je vais me permettre. Ça se passe où, les coups de feu? Apparemment. Ah, d'accord. Là. Il se dirige vers nous. Ah.
Allez. Par l'intervention de TV130. Tac, remontez les gars, on n'est pas en sécurité là quand même. On va pas se rester en plein milieu de la route. Du coup, je vais me porter. Il y a un autre tireur. Ah, c'est le qui ? C'est le monsieur ? Voilà, il y avait un second tireur. Il y a une fusillade en pleine autoroute. Du coup, on va se dépêcher, on va appeler les coroners. Je récupère les armes, je vais aller voir l'autre. Bon, je vais faire un slowdown trafic dans la zone. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont en plein milieu de la route et toutes les voitures qui sont en plein milieu là. Voilà, du coup, j'ai appelé des collègues. Eh bien, j'ai appelé. Qu'est-ce que j'ai appelé Alors, qu'est-ce que. J'ai appelé. Ah, ça accroche. Ah, on nous appelle. Il y a eu un petit crash. Elle nous appelle pour une attaque au commissariat, donc on se dépêche. Apparemment c'est un terroriste ou plusieurs terroristes qui attaqueraient le commissariat. Oula, ça canarde. Allez, oula. Du coup, je vais prendre dans le coffre la mitraillette. Je vais me dépêcher. Allez. Allez, on a neutralisé. Trois terroristes neutralisés. Je me mets à couvert. Il y en a un là. Je me planque. Quatre terroristes. On sait pas combien il y en a encore. Il y a des collègues. Je me planque. Voilà. C'est bon. Allez, go. On investit. Bon, tout le monde est mort là. Apparemment, je sais pas s'il y avait d'autres terroristes. Non. Personne. Alors, j'ai appelé vite fait les ambulanciers. Parce que là, apparemment, il y a plus de personnes qui sont de terroristes. Mais beaucoup de personnes sont blessées. Je vois un collègue qui est au sol. J'ai essayé de lui faire les premiers soins. Allez, j'ai essayé de le soigner. Mon collègue est mort. Voilà, lui, on va essayer de le sauver aussi. Si on peut. Le temps que les pompiers arrivent.
Je sais pas où ils sont. All units in the Spoochie Canal. Apparemment mon collègue, l'autre collègue est mort aussi. Quand je sais pas où c'est que sont les pompiers. Alors, ils sont où? Il y a leur camion qui est là. Ils sont pas... Ah, ils sont bloqués par la grille. Ouais, les mecs, c'est par là. TV 130 de TF. Alors, je vais essayer un truc. Une personne dénudée dans votre zone. Alors, je vais l'amener directement jusqu'aux victimes. Fin d'intervention de TV 130, reprise de vacation. Allez, hop. Tiens, je te libère. La victime, elle est là. Je vais aller chercher ton collègue. Qui lui aussi a l'air d'être un peu empêtré. Non, alors. Ah, nickel. Allez. Les victimes, elles sont là. Hop. Allez. Bon, moi je vais rejoindre mes collègues. Oui, il va s'occuper de... Des suspects. Je sais pas où sont partis mes collègues, ils sont de l'autre côté apparemment. Bon, il y a une victime en plus ici. J'ai appelé. J'ai essayé de le sauver. Et j'ai peut-être appelé, du coup, un ambulancier de plus. Hein. Alors. Ah. Alors, j'essaie de le réanimer. Bon, ça va pas marcher. Fin d'intervention de TV 130, reprise de vacation. Les pompiers se présentent sur les lieux. Ils vont peut-être pouvoir essayer de sauver nos collègues. Allez. Might as well get the body bag out. Du coup, après, on fera le décompte des terroristes qui a été tué. This is why I drink. Alors, du coup, j'ai appelé. J'attends que les pompiers soient partis. Ils vont s'occuper des autres personnes. Du coup, hop, j'appelle l'identification criminelle. Alors du coup, hop, c'est de passer au-dessus du corps quand même. Du coup, on a un terroriste, non, ça c'est un policier. Alors, 1, 2, 3, 4. 4 terroristes. 4 terroristes. Et 1, 2, 3 et 4. 4 policiers tués et 4. 4 terroristes tués. Lourd. Lourde contribution pour faire respecter la loi. Bon, sur ce, c'est une fin de vidéo et une fin d'intervention. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner, à la liker et à la partager autour de vous. Et laissez-nous un petit pouce bleu. Bonne vidéo et à une prochaine.